sont pas des dessins qu'on anime, mais simplement la réalité. Ici, dans le cas de Starevitch, ce sera des marionnettes, des peluches et des insectes. Pourquoi on voulait vous le faire découvrir? C'est que il est scandaleusement méconnu. C'est-à-dire que pour nous, c'est le chaînon manquant entre les frères Lumière, Méliès et Griffith et tous les pionniers du cinéma. Vous allez voir, en fait, les films sont d'une modernité incroyable. On va commencer avec un film qui s'appelle Fétiche Mascotte. C'est Fétiche, un personnage récurrent dans les films de Starevitch. C'est un cinéaste qui est né en Pologne et qui a fait des films ensuite en Russie pendant la Première Guerre mondiale, et c'était essentiellement des documentaires sur les insectes.
l'après-midi avec Madame Starevitch, on a regardé plusieurs films et on est tombé sur celui-ci, dans lequel joue Starevitch lui-même. Le film, en fait, commence à la manière de ce qu'on appelle un slapstick. C'est simplement ces petits films comiques, ces petits courts-métrages qui faisaient fureur au début du cinéma muet dans les années folles. On a réussi à vous communiquer l'admiration qu'on a pour Ladislas Starevitch.